Eh bien bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui une nouvelle fois sur le jeu The Long Drive. Alors, souvenez-vous, la dernière fois on avait trouvé des portes pour notre van. Donc là en clair il nous reste que à faire les rétros et une bonne peinture, on aura terminé. Ben, je pense, hein. Oui c'était ça. Donc on va continuer notre aventure avec bien sûr Jacqueline. Hop, c'est parti. Donc comme d'habitude, on reprend la route. Et dès qu'on a un bâtiment, eh ben, on le loot hein, pour essayer de trouver les dernières pièces. Merci encore à vous pour tous vos retours, c'est pour ça que je continue. Vous êtes vraiment incroyables les gars, merci beaucoup. Alors, j'ai un petit problème, ah voilà, on est reparti. Je veux dire, le van il a pas envie d'avancer. Donc il me reste plus tellement d'essence. Je crois qu'il y a encore 7 litres environ. Alors j'espère trouver rapidement de l'essence. Ça commence à être un petit peu compliqué là du coup. Donc comme dit, voilà, deux rétros, une bonne peinture et le van sera terminé. Alors si vraiment on trouve un autre véhicule à retaper, pourquoi pas refaire une mini-série avec autre chose hein. Par exemple une moto, une golf ou ce que vous voulez, selon ce qu'on va trouver. Donc j'attends vos retours dans l'espace commentaire, n'hésitez pas à me dire si vous êtes intéressé par une toute nouvelle petite série de 3-4 épisodes avec un autre véhicule, hein, tout simplement. Alors je regarde juste les besoins du perso. Ça va. Ça va, on n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal. Donc c'est vrai que j'aimerais trouver rapidement aussi à manger, parce qu'on n'avait plus grand chose. Et vu que ben, la faim et la soif, ça part relativement vite, autant avoir ce qu'il faut. Voilà, donc écoutez, comme d'habitude, je continue et dès qu'il y a du nouveau, ben, je vous reprends tout simplement. Alors, n'hésitez pas bien sûr à me rejoindre sur la plateforme Kick et sur Twitch. Je vous ai mis les liens dans la description. D'ailleurs, il y a quelques jours de ça, il y a peut-être 2 jours, on avait fait un live sur Twitch sur du The Long Drive. Donc c'était plutôt sympa, il y avait du monde. Donc franchement, n'hésitez pas, si vous voulez me voir en live, ben, ça se passe sur les deux plateformes là. Donc Kick et sur Twitch, encore une fois, les liens sont dans la description. Donc on va reprendre un petit peu. Je me suis pas rendu compte qu'on a quand même fait 219 km avec le van. Franchement, c'est vraiment énorme. Hein. Enfin, énorme. Je veux dire, c'est déjà pas mal, quoi. Je m'attendais pas autant. Alors, je crois qu'au fond, il y a un bateau, mais c'est pas du tout ce qu'on veut. Je vous l'ai dit, hein. Je me répète, mais moi, le but, c'est vraiment les petites cabanes et tout, et de galérer un petit peu pour l'essence et toutes ces choses. Ah oui, c'est une toute petite station. Il y a un rocher qui va d'apparaître, ok. Donc, on continue un petit peu. Alors, j'espère trouver rapidement du carburant, parce que regardez, on est bientôt sur la réserve. Hein. Je vous ai dit, il doit rester peut-être 7 litres environ. Donc on va bien voir ce qu'on trouve ici. Allez. Rien. Si. Un petit jerrycan avec 10 litres. Le mec qui abuse un petit peu. Sait-on jamais. Allez, on est à tout. Ça va, Jacqueline? La forme? Ok. Alors, je regarde juste ce qu'on a encore dans le véhicule. On a 8 litres 2, vous voyez. C'est plus énorme. Hein. Ce n'est plus énorme. Donc là... par contre, on a de la peinture, là. Du jaune. Ah, là, il y a des petits bidons, là. Allez, 10 huiles, je m'en fous. 0,8 descend, je veux bien. Oh, regardez, du mauve. Ouais, non, mais ça va faire bizarre. Non, j'aurais bien voulu un rouge ou un bleu foncé, vous voyez. Ça aurait été pas mal. Mais bon, on peut pas tout avoir, hein. On va juste mettre les 0,8. Voilà, je remonte à 9 litres. Alors, ce que je vais faire, c'est juste peindre... Enfin, j'ai envie d'essayer le jaune, là. Peut-être qu'il est pas mal. On va voir ce que ça donne, c'est parti. Ça va ressembler du coup à ce qu'on a. Bon, même si on a plus du vert, on dirait. Bah écoutez, juste pour le fun, comme ça, il a une couleur à peu près pareille. Enfin, ouais. Ouais, pas du tout, mais on va faire avec. Hein. Ah, faudrait que je trouve encore une éponge et une brosse métallique, ça serait pas mal. Ah, bah voilà. Alors, je vais peut-être le toit juste voir. Est-ce qu'il se peint ou pas? Eh, il se peint pas le toit? Alors, attends. Il devrait se peindre normalement. Ah. Peut-être qu'il faut se placer plus en hauteur. Ah oh mince, c'est vide. Ok. C'est vide. Alors, je crois qu'on peut recharger, on m'avait dit, avec... il suffit de se mettre devant, il appuie sur R, je crois. Recharger. Hey, recharger, normalement. Voilà, c'est bien ça, vous voyez. Vous pouvez recharger donc votre bombe de peinture avec une autre peinture qui est existante, quoi, hein, tout simplement. Donc ça, c'est cool. Je vais juste essayer avec voilà, 40, juste pour voir si j'arrive à peindre le toit. C'est bizarre, quand même, que j'y arrive pas, là. Je sais pas s'il faut être plus en hauteur. Bon, vous savez quoi, c'est pas grave, on va continuer, je vais pas perdre du temps avec la peinture. On va être reparti. Il y avait rien d'autre, hein, à part les bidons, non. Un vieux pneu, ok, non, pas besoin. Oh là. Eh oui, ça m'arrive encore une fois. Hein. Ça m'arrive. Ça va, Jacqueline? Oui, je sais que le van, il est moche. On va essayer de trouver du rouge, promis. Je te garantis. Enfin, je te garantis, oui. Je vais essayer de te le garantir, quoi.
Parce que c'est vrai qu'un beau petit rouge ou un bleu foncé, ça pourrait être vraiment pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça pourrait être pas mal. Donc voilà, encore une fois, je me répète, mais nouveau projet, pourquoi pas, hein, si vous voulez faire un autre véhicule en ma compagnie, donc un véhicule tout rouillé qu'on va encore une fois retaper au fur et à mesure. Bah écoutez, pourquoi pas, avec grand plaisir. Donc voilà, bah écoutez, encore une fois, dès qu'il y a du nouveau, je vous reprends. J'espère qu'on trouve un autre bâtiment très rapidement. Nous avons un bâtiment qui arrive, les gars. Ça, c'est cool. Alors honnêtement, j'ai pris une très grande montée là. Je pense que carburant, j'ai au moins cramé 1 ou 2 litres. Ça faisait tellement de montée, j'étais bloqué à 70 km/h. Alors voilà, j'espère que j'ai pas trop cramé d'essence tout simplement. C'est quoi ce bâtiment? Ah oui, non, j'aime pas trop cela. Je n'aime pas trop cela. Mais bon, je vois qu'il y a déjà un frigo, c'est cool. Alors je crois qu'on avait à l'arrière de la nourriture encore dans le van. Je ne me souviens plus, il faut que je regarde. Allez, on va voir ce qu'il y a là-dedans du coup. Hop. Alors déjà, frigo, ça c'est bien ça. Ah, du chocolat. Alors attendez, derrière on avait... Oula. Petit freeze à cause de la sauvegarde. Je crois qu'on avait encore à manger là. Ah bah là, il y avait encore du lard et tout. Ok. Bah c'est parfait ça. Attends, je vais quand même prendre le petit... C'est quoi, je vais le manger direct. Voilà. Et encore du chocolat, c'est très bien. C'est parfait. Donc qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ah, des caisses. Des caisses, des caisses. Alors attendez. On avait encore un flingue là, non? Avec une balle. Alors attends, hop. Et recharge-moi ça. Allez. Voilà. Il n'y en a plus? Ok. Alors R. Alors j'ai déjà peur, hein, parce que à savoir que s'il y a un truc de gaz, je suis foutu. Je vais aller très loin. Allez. Dans le coin. Ok. Bon, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Je vois un petit baril. Ok. Ça, c'est pas très sûr ce que je fais, mais honnêtement, dans le coin, ça devrait passer. Un vieux moteur. Et là, du coup, ici. Oh là là, j'ai tellement chaud à chaque fois que je tire. Attendez. Encore une dernière caisse, est-ce que j'arrive d'ici? 3, 2, 1. Oh, la vitre est là. Oh mince. Ok, bon, pas grave. De toute façon, j'ai plus trop de balles là-dedans. Alors, ce que je vais faire, c'est de balancer. Du coup, je vais prendre un bout de bois pour péter l'autre caisse. Ça devrait fonctionner. Voilà. Il y a quoi là en dessous? Un petit peu de nourriture. Bah, écoutez, tant qu'à faire, voilà. Alors, une pure portière rouge, je m'en fous. Alors, on va boire un coup, tant qu'à faire aussi. On va se mettre bien. Baisse-toi, s'il te plaît. Voilà. Oh, les sauvegardes automatiques sont vraiment chiantes. Hein. Voilà. Bois un coup, mon pote. Mets-toi bien. Ok. Bon, ben. Pas grand chose, je vais voir comme sur le toit. Derrière, il y a bien sûr les petites toilettes avec une Bernadette assise sur les chiottes. Non. Qu'est-ce que c'est que ça? Les munitions, je m'en fous aussi. Il commence à faire nuit, donc c'est bien. Je vais passer la nuit. Qu'est-ce qu'on a au-dessus? Ah, la peinture. Donc c'est de la peinture. Oh yes, la peinture rouge. Ah oui, alors ça c'est trop bien. Par contre, j'ai pas vu de brosse. Alors c'est pas grave. Ce n'est pas grave, je vais... On va voir ce qui donne ce rouge. Il m'a l'air incroyable. Il m'a l'air incroyable. Oh oui, ça va être beau ça. Ça va être très beau ça. On va le continuer demain matin. Il faut quand même une brosse en fait. Quoique ça va être pas mal du tout en fait. Regardez-moi ça. Ah là je suis content. Un rouge comme ça. Là ça me fait plaisir honnêtement. Moi je passe juste la nuit et on continue à le peindre demain matin. Ok, c'est le petit matin. On va terminer. Voilà. Et la porte là. Alors c'est vrai qu'une petite brosse métallique ou une éponge, ce serait vraiment stylé. Mais bon. Et voilà, là c'est du van les gars. Alors là je suis content. Je suis vraiment content. J'ai presque envie de garder le rouge en fait sur moi au cas où si on en trouve une autre pour recharger, vous voyez. Hop, on jette ça là-dedans. Franchement là il est pas mal. Bon, il est mieux, beaucoup plus brillant, mais honnêtement. Petit coup de brosse et puis on est pas mal là. Alors là il est pas vraiment rouge, j'ai l'impression. Alors pour le reste ça passe, honnêtement pour le reste ça passe. Alors je vais reprendre ma route, ah bah ça c'est bien ça. Alors si on retrouve pas de rétro c'est pas grave. Honnêtement je veux qu'encore une brosse et une éponge pour le terminer. Ça devrait être suffisant je pense. On va repartir, on est comme les feux, voilà. Allez avance mon gros. Donc ça c'est cool, ça fait plaisir encore une fois. Bon, je peux éteindre les feux. Hop la boule. Voilà. Du coup ça fait plaisir, alors comment que ça rend? Ah oui regardez. Imaginez un petit coup d'éponge, un petit coup de brosse métallique et là je pense qu'il sera vachement stylé. On a juste un problème avec l'autre porte. Je sais pas si la peinture a bien pris dessus ou... Franchement aucune idée. Même derrière je trouve que c'est plus orange encore.
Mais peut-être qu'en mettant le petit coup de brosse métallique et l'éponge, ça aura exactement la même tête que sur le côté. Et je trouve que ça passe le toit en blanc finalement. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça fait vachement stylé. Après juste quelques kilomètres, voici un vieux van. C'est le même style que nous, je crois, non, en fait. À part qu'il est un peu plus haut. Et je viens de voir qu'il a des rétros, donc ça peut m'intéresser, en fait. Oh oui, regardez. Et ça m'a l'air parfait, ça. Est-ce qu'il se... Oh là, non, pas la porte. Oh, et oh, qu'est-ce que... Eh, j'ai pas tout compris, là. Elle est où, la porte? Ok. Moi, j'aimerais bien juste prendre ça, en fait. Oui, donne-moi ton rétro. Ah non, mais la porte a disparu, c'est nul. Ah, toi, tu dégages. C'est quoi ce... c'est quoi cette connerie, là? Bon. Pas mal, le rétro, non? Je sais pas si c'est le rétro d'origine, ça fait vachement grand. Mais c'est pas trop mal. Alors, qu'est-ce que je pourrais encore avoir besoin, là? Porte, on a tout. Radiateur, on avait aussi. Bon, lui, il a un moteur de camion, ça ne m'intéresse pas trop. Là-dedans, il y a quoi? Réservoir d'essence vide. Ah, la poisse. Ah oui, attends. Je vais... Non. Merci. Ça, je vais récupérer. Ça, c'est très important, ça. Un petit rétro intérieur aussi, tant qu'à faire. Bon, il est pas très propre, mais on va faire avec. Hein. Est-ce que je peux le passer par ici? Bien sûr que non. Oh, quel enfer. Ben voilà, je me suis pas arrêté pour rien. Bon, je voulais une porte, mais elle a disparu, chose qui arrive. Hein. Je vais juste voir en dessous. Bonjour. Vous allez bien? Henriette? Henriette, vous attendez le bus? Ben, je peux vous dire qu'il viendra jamais, en fait. Ah oui. Écoutez, je peux vous prendre avec. Par contre, j'ai pas trop de place. Il va falloir que je vous mette à l'arrière. Hein, si ça va aller? Oui? Oh, allez, installez-vous. Il y a du lard, si vous voulez. Lardon, chocolat, même du chocolat. Un flingue. Voilà. Je sais pas ce que vous voulez, mais en tout cas, il y a tout ce qu'il faut. Vous avez même un petit chien, là, au bout, regardez. Allez. J'ai l'impression d'être un kidnappeur de femmes. Ça fait bizarre, ça, quand même. Ça fait un petit peu bizarre. Avec mon vieux van... Des femmes de partout, ça fait très bizarre. Bon bah écoutez, on a un rétro intérieur, tac. Voilà, on voit rien parce que j'ai quand même pas de vitre à l'arrière. Et j'ai un rétro extérieur. Arrête. Mais non. Qu'est-ce qui... Arrête. Et j'ai un rétro extérieur, regardez. Je sais pas, honnêtement je ne sais pas si c'est le rétro d'origine. Mais moi ça me va très bien. Honnêtement ça me va très bien. Je suis juste dégoûté que la porte a disparu. J'aurais bien voulu récupérer l'autre rétro. Ah, ils sont vachement hauts, je pense, en fait. Je crois qu'ils sont assez stylés, on voit bien, quand même. Ben voilà, c'est cool. Bon, comme dit, si je trouve pas d'autres rétro à côté, ce n'est pas grave. J'ai un rétro intérieur, un rétro pour mon côté à moi. Ben, écoutez, c'est pas trop mal. On a notre van qui est presque fini. Un petit coup de brosse, on n'en parle plus. C'est pas mal. Alors, Henriette, à l'arrière, ça va? Tout se passe bien? Ok. Il y a du chocolat, je t'ai dit. Hein. Ouais, tu peux le prendre, n'hésite pas, bien sûr. Ouais. Vous savez, les gars, à un moment donné, quand vous êtes tout le temps seul sur la route, ben vous devenez fou. Donc oui, vous parlez à des poupées gonflables, hein, ça arrive. C'est... ça arrive, les gars. Donc moi, je continue encore une fois. Alors, comme je vous l'ai dit, regardez, 236 km, on a déjà fait deux bâtiments, je crois. J'ai énormément de chance, hein. J'ai vraiment beaucoup de chance. Par contre, avec les cailloux là, il faut faire attention, voilà. Donc je continue comme d'habitude, et ben, encore une fois, hein, je vous reprends dès qu'il y a du nouveau. Alors je vois déjà plein de belles choses là les amis. Oh, ça fait déjà plaisir ça. Il y a tout qui vient d'apparaître. Ah, il y a des caisses de partout et tout. Une petite mobilette. Ok. On va voir ce qu'il y a ici. Hop, on éteint tout. Alors, s'il vous plaît. Juste une brosse métallique. On a encore du rouge ici, c'est parfait. Oh, une éponge. Oh, mais les petits frises de chargement là, c'est embêtant. Attendez, la petite éponge, est-ce que ça va faire reluire ma portière là? On va voir ça dessus. Ah, c'était propre, c'était celle-là qui avait besoin d'un petit coup de rénovation. Allez. Allez. Non? Ah, c'est peut-être celle-là alors. Vas-y, brille. Voilà. Encore un petit peu. Ah, par contre, c'est orange. Hein. Allez, s'il te plaît, brille, ma petite. Brille. Voilà. Encore un petit peu ou c'est bon? Voilà. Ouais, mais c'est orange. Hein. Alors, j'ai vu qu'il y a une peinture là-dedans. Une peinture rouge. Ça pourrait générer. Il y en a partout, regardez. Oh oui. Alors ça, c'est trop cool. Parce que je vais réussir à faire... On dirait comme qu'elle a tiré vers le orange, finalement. Le rouge. Voilà, là, c'est du rouge. Là, on est d'accord, regardez. Ah, oh, c'est magnifique. Un petit coup sur le van aussi, pour qu'il soit vraiment bien rouge. Voilà.
Ah mais rouge et blanc, ça passe trop bien en fait. Ça passe trop bien. Et là, c'est bon. Je crois qu'il faut encore mettre un petit coup à l'arrière, non? La portière est pas totalement... elle est pas identique, j'ai l'impression, par rapport au reste. Là, c'est orange encore. On va mettre un peu de rouge, voilà. Oh, il est tellement beau le van, les gars. Il est trop beau. Alors, je vais quand même regarder vite fait si on trouve pas autre chose. Encore une éponge. Cette fois, c'est du orange. À moins que j'avais pris du orange avant, peut-être. Peut-être le coup de pchit-pchit, là, ça va tout sauver, peut-être. Surtout pour la portière arrière, je trouve qu'elle a un petit défaut. Alors, attends. Non, elle est au taquet. La teinte est pas pareille, on est d'accord, hein, j'ai l'impression. L'avant, c'est bon aussi. Bah ouais, ok, bon. C'est pas trop grave. Mais j'ai l'impression quand même qu'il y a du orange encore. Encore du rouge là-dedans? Oui. Ah, les sauvegardes automatiques sont embêtantes. Hein. Très embêtantes. Alors vas-y, fais-moi ça en rouge. Pourtant, je lui en fous là du rouge. Hein. Pas possible ça. J'ai l'impression qu'il reste orange. Ouais, les portières sont un petit peu différentes, j'ai l'impression. Oh, là aussi. Voilà, j'ai l'impression que c'est un petit peu mieux, regardez. Ah, ben voilà! Là, on est bien. Là, on est rouge. Il est incroyablement beau, là. Là aussi, voilà, regardez. Là, c'est beaucoup plus rouge. Allez. Voilà. Oh, il est magnifique. Il est juste magnifique avec les petites jantes qui brillent partout. C'est parfait. Honnêtement, il y a plein de caisses et tout, mais est-ce que ça vaut encore la peine de fouiller, là? Là, c'est de lui, je m'en fous. Il me faut absolument de l'essence, par contre. Ce serait pas mal de trouver un gros bidon d'essence avec 20 litres. Ce serait juste magnifique, mais bon. Il ne faut pas rêver. Hein. Bonjour. Désolé, j'ai plus de place dans mon van. Hein. Je vais pas encore emmener une demoiselle, là. Ça fait un petit peu beaucoup. Qu'est-ce qu'on a là? Ok, là, pas de jerrycan. Un petit chip-chip-chip. Éponge, non. Ah, oh, mais. S'il te plaît. Je sais pas, un truc très intéressant comme 20 litres d'essence ou je ne sais pas. Je ne sais pas. Voilà, avec un petit chocorème, on va casser des caisses. Réservoir. Ah ben voilà, 5 litres d'essence. Ça fait plaisir. Ça, c'est bien. Alors attends, je vais casser encore ça. Non, je peux pas. Par contre, des fois, sur le toit aussi, il y a des choses intéressantes. Un vieux moteur, un cercueil, un pied de biche. Un cercueil. Ok. Alors attends, il y a encore une caisse que je vais essayer de... Hop là, de bousiller. Vas-y. Parfait. Ou des phares en veux-tu, en voilà, ok. Donc là, il y a 5 litres d'essence. Ça, c'est cool. Ça, c'est très important, ça, oui. Ça fait même plaisir. Ça fait même plaisir, ça. Là, ça on va pouvoir reprendre la route, faire un dernier bâtiment, et après, je pense qu'on s'arrêtera là-dessus, en espérant qu'on trouve une autre carcasse pour éventuellement un nouveau projet, si vous le souhaitez. Voilà, je remonte à 10 litres, regardez. 11 litres, même. Ah, oh, c'est parfait, 12 litres, on est tellement bien. Oh, on est tellement bien. Les filles, Henriette, on est tellement bien. Tu t'en fous, ok. Ah, ferme la porte. Merci. Jacqueline, on est tellement bien, on a 5 litres. Tu t'en fous aussi, ok. Allez, on est reparti les gars. Attendez, je regarde juste vite fait encore une dernière fois ici. De l'eau. Alors attends, tant qu'à faire, hop. En bois. De toute façon, j'ai encore du lard derrière pour manger. Tout va bien. C'est parfait. Un petit tuyau pour siphonner, un moteur, ok. Pas de turbo, non? Pas de turbo, ok. Alors là aussi, honnêtement, je pourrais encore prendre à manger, mais on a vraiment ce qu'il faut là. Alors attendez, non, on va manger tout de suite. Voilà, comme ça on est bien. Alors je reprends la route les amis, et encore une fois, dès qu'il y a du nouveau, je vous reprends. À force, hein, je n'ai même plus besoin de le dire, vous savez comment que ça fonctionne. Oui, je viens de me mettre assis sur ma grosse crotte, complètement dégueulasse, mais bon. On a pas trop le choix. Est-ce que je vais rouler un petit peu de nuit? Pourquoi pas. Mais pourquoi tu avances pas toi? Pourquoi tu avances pas là? Qu'est-ce que tu me fais? J'ai le van qui est... Ah, oh, qu'est-ce qui se passe là? J'ai le van qui est comme figé sur place. Ok les amis, j'ai réussi à recharger la partie. Ça avait complètement bugué. Le van restait bah, figé, vous l'avez vu. Alors bon, on a réussi à reprendre, tout va bien. Je vais voir pour faire un tout dernier bâtiment avec vous. Ça serait pas mal. Donc la route, elle est où par contre? Ah, j'ai perdu la route là. Elle est là où je crois. Elle est par là. Donc honnêtement, elle est pas mal, hein, regardez. Rouge vif. Petite jambe, bon bah d'accord, on a des jambes différentes, mais bon, elles brillent bien. On a les pare-chocs, on a bon, le rétro, comme dit, il va rester comme ça, je trouve que c'est pas mal. Donc j'essaie de voir encore un dernier bâtiment avec vous et voir si on n'a pas un futur projet, peut-être, ce serait vraiment cool. Et puis on s'arrêtera là-dessus du coup. Mais par contre, la route, s'il vous plaît, Lou. On était parti tellement loin là. Ok,
Donc on va juste voir ce qu'on trouve encore ici. J'aimerais bien qu'il y ait une voiture complètement désossée pour repartir sur un nouveau projet, pourquoi pas. Oh là ! Qu'est-ce qui se passe ? Vous voyez ce que je veux dire ? Pour repartir sur un nouveau petit mode survie, comme ça, ça pourrait être vachement sympa. C'est quoi cette bâtisse là ? On va voir ça. Alors, ça charge un petit peu. Alors je vois déjà qu'il y a des vieilles bagnoles là. Hein ? Oh mais je rêve ou ? On a une petite Plymouth Fury là. Attends. Attends. Je suis pas très sûr, mais faut que je vois. Ah bah oui, on est clairement sur une Plymouth Fury désossée là. Oh, je crois qu'il va être là notre nouveau projet, les gars. Regardez, incroyable. Il y a des véhicules de partout, d'accord, mais ça là m'intéresse fortement. Alors attends, il y a quoi comme moteur? Bon, ça j'aime pas trop. Ça c'est quoi comme voiture? Peut-être récupérer un des moteurs de celle-là ou même de notre van. Au moins provisoirement, le temps de trouver un vrai gros moteur V8 et tout. Oh, je sais pas ce que vous en pensez, mais est-ce que vous seriez chaud de partir sur un projet Plymouth là? Ou Plymouth, comme vous voulez. Ah, oh, ça c'est trop stylé en plus. Ouais, elle a vraiment rien, regardez. Elle est complètement détruite. Hein. Mais là c'est une chance de fou. Par contre, j'espère juste qu'en rechargeant ma partie, elle va pas disparaître. Hein. Ça serait dommage. Mais regardez-moi ça, elle n'a rien du tout. Ni moteur, ni roue, ni quoi que ce soit. Franchement, genre, vous voyez le délire, on prend ces roues-là, on met notre moteur de notre van et on prend la petite bagnole-là pour partir. Alors même devant, elle n'a rien du tout. Non, elle a rien. Ah, c'est... Je crois que j'ai mon nouveau futur projet, les gars. Pour la prochaine saison qui va arriver. Enfin, petite série, plutôt. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Il y avait quoi comme moteur là-dedans? Ça que j'aimerais bien voir. Alors, attends. Allez, enlève-toi, toi. Enfin, pose-toi bien. Ah oui, c'est le petit moteur là, d'accord. Je vois. Oula, je vois. Mais écoutez, pourquoi pas. Alors, je sais qu'en général, il n'y a rien d'intéressant dans ces bâtiments, à part, bien sûr, 2 litres d'essence que je vais mettre de côté, du coup. Ça pourrait être vachement stylé, ce délire, là. Je suis où, là? Ok, on est ici. Alors, ça pourrait être vraiment pas mal. Alors, ça serait bien de trouver peut-être un petit tuyau pour siphonner mon réservoir, au pire. À moins que je peux démonter mon réservoir. Je ne sais pas, je vais juste voir ça. Je crois pas que ça va être possible. Mon réservoir, il est là. Je pense pas qu'on peut démonter cela comme ça. Non, ok. Il va falloir siphonner ou faire quelque chose comme ça. Ça pourrait être pas mal. Dans l'idée, il nous restait 6 litres. On aurait quand même 6, 7, 8 litres pour partir. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, une chauve-souris qui... D'accord. Ok. Je pensais que c'était ceux qu'on attache, mais bon, si tu veux... Ouais, ok, bah écoutez les amis, voilà un nouveau projet, il est ici. La petite Plymouth là. Fury, en plus je suis fan du film à l'époque. C'est même une portière qui va de la bagnole ça ou pas? Attends, juste pour voir. Je crois pas, non pas du tout, ok. Non mais en fait on va repartir d'une base de zéro. Ah c'est trop cool. Alors encore une fois, j'attends vos retours, on va s'arrêter là-dessus. De toute façon le van est terminé. Donc je siphonnerai mon réservoir, on mettra juste le petit moteur, les 4 roues, un peu d'essence. Et on partira avec celle-là, pourquoi pas. Donc voilà, si vous voulez une suite encore une fois avec cette voiture-là, la petite Plymouth, enfin comme vous voulez, mettez-moi un petit like, bien sûr, abonnez-vous, hein, partagez, vous savez comment ça marche. Moi, je vous dis donc à très bientôt pour une nouvelle aventure, les amis, portez-vous bien et à plus. Allez, gros bisous, ciao.